Salut les amis, c'est Max Pedler, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15 sur la Belgique profonde V3. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'est plus retourné sur ce jeu, enfin sur ce jeu, sur cette partie. Effectivement ça fait un moment, Old Stream, Two River, ouais ça fait un moment quand même. Donc, en venant sur la partie, j'ai vu que, oui donc la BM elle manque, ça c'est normal, elle est au concessionnaire, au... l'entreprise au-dessus à l'ETA, j'ai constaté que c'était le bordel, et comme je suis quelqu'un d'absolument pas bordélique, je pensais qu'on allait déjà s'occuper en vitesse de la ferme. Donc voilà, l'ensilage on l'avait fini en live, on en avait pris pour un moment quand même, hein. Ça avait pris plus de temps que prévu. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? On a arrangé la moisse batte, on va la mettre là, ça sera fait. Voilà, puis il y a le petit case là, également à nettoyer et à ranger avec la remorque, avec la benne. Et l'ensileuse sur le champ encore à ramener, le camion il est juste au-dessus, ok. Est-ce que ça passe partout là? Est-ce que ça passe? Oh bah oui, ça passe. Allez, voilà. Ah merde, il y a encore. Ok, il y a encore du maïs dedans. Ah, c'est pour ça qu'elle a été rangée là. Je m'en souviens maintenant. On l'avait juste mis de côté. Voilà. Ok, nickel. Ouais, c'était ça en fait. On l'avait juste mis en vitesse de côté pour ne pas devoir revenir avec le case. Allez. Voilà, hop, par là, vite, voilà. Allez, ah merde, mauvais bouton. Voilà. Ok, nickel. Ouais, on peut peut-être faire... Tac, voilà. Ok. Ah, oh, je suis quand même content de voir que Action Merilis m'annonce que je tourne à plus que 30 FPS. Oh là, quel massacre la vidéo d'hier quand même. Faut dire que j'ai quand même hésité. Est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas? Et je me suis dit, allez merde, on va la mettre. On va quand même la mettre. Voilà. Non, tu sors. Alors, on va vite ranger la case. 10 pour replier le bras, enfin la buse, et 5 pour replier le tout, hein, il me semble. C'est ça, nickel. Si on coupe le moteur pendant qu'on roule, ça le fait pas. Et est-ce que ça... Ouh là 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 là... Non, hein. Oh, ou si. Tout juste. Alors là, pour dire tout juste, c'est vraiment tout juste. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Allez, rétro de nouveau, e-bug. J'aime pas ça. Tac. Allez, on va essayer de rouler convenablement. Hein. Merde, j'ai encore... Encore éteint le moteur, hein, jeu. Oh là 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 là, allez, correctement, bordel. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de nous faire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je suis en train de faire? Ah, il y a un blaireau qui va me répondre. Bah, t'es en train de ranger la masse batte. Ou au moins t'essayes. Allez, voilà, c'est bon, on a réussi. On a réussi. Donc lui, on va déjà s'en occuper, on va le nettoyer, on va le ramener à l'ETA. Ça, on a de la place pour descendre avec le camion. Le camion, lui, il est garé juste là au-dessus. Voilà, je vais même pas redresser le volant. Tiens. Voilà, nickel. Hop, le Kercher. Oh, calme.
Voilà. Ah oui, donc encore une fois, excusez-moi pour la vidéo de mercredi sur Two River. On avait fait le bois. Le son était donc pas enregistré. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, je l'avais dit, mais bon, pour ceux qui n'auraient pas regardé, je vous le dis. Le son, j'avais dit qu'il était enregistré par Audacity, mais j'ai eu un petit problème au niveau des deux, donc j'ai enregistré en fait le son en même temps avec ActionMerilis. Donc du coup, j'ai dû prendre le son qui a été fait avec Action, et donc ça n'a pas été enregistré avec Audacity. Mais là, cette fois-ci, normalement, tout est bon comme hier. Je suis donc là avec ActionMerilis pour l'image et le son Audacity. Donc, de nouveau, hein, si vous... De toute façon, ça c'est pour toujours. Hein. Si vous voyez, si quelque chose vous semble pas net, vous me le dites. Ne vous inquiétez pas, vous ne passerez pas pour un con. Voilà, allez, c'est parti. Toi, je vais déjà te ramener. L'air des Giro, je ne sais plus lequel que c'est. Ah, ok, c'est bon. Voilà, on m'avait demandé pour le live. Donc, ce samedi, enfin, donc demain, on va te laisser passer. Voilà, comme ça, tu seras content. Donc, demain, je ne sais pas s'il y aura un live. Donc, demain, on est le 8, si je ne me trompe pas. Samedi 8, n'est-ce pas? Octobre, samedi 8, oui, c'est ça. Je ne sais pas encore son horaire, hein, je vous dirai ça donc demain. Parce qu'en fait, ça se peut que je parte le week-end. Que je parte un peu le week-end en vacances. Quelques jours en France, voir la famille. Et là-bas, bah, comme vous le savez, hein, quand je pars, j'ai pas ma tour pour faire les lives, ni les vidéos d'ailleurs. J'ai juste mon petit portable si j'y vais. Et puis, ben voilà, il y aura. Je saurais pas faire de live, de toute façon, il n'y a pas internet. C'est ce qui me fait un peu chier aussi. Je peux pas tout le temps être dispo sur la chaîne, sur les niveaux email et tout ça. J'aime pas trop. Mais bon, bref, pour un week-end en même temps. Excusez-moi juste un instant. Comme je vous ai dit hier, il y a le rhume qui commence à arriver. Bah, il ne commence plus, il est déjà là. Ah là là, allez. Donc ce samedi, je ne sais pas encore si on aura un. Si c'est pas ce samedi, ce sera le samedi d'après. Je pense que ça. Normalement, le samedi d'après, c'est sûr qu'il y en aura un. Donc que je dise pas de conneries, ce sera samedi 15. Là, je suis pratiquement sûr qu'il y en aura un. Mais bien sûr, les infos seront dans les vidéos de la semaine prochaine. Voilà, on va se garer là. Ok, on va encore avancer un peu, faire gaffe au mur. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. Mieux qu'avec la Moss Bat, j'ai envie de dire. Sauf que là, je ne vois rien et ça me plaît pas, ça. Ah, je ne vois pas sur l'autre côté là. Mais ça frotte. Je voulais dire mais ça passe, mais non. Mais c'est déjà mieux qu'avec la Moss Bat. C'est le temps de se chauffer en fait, parce que. En fait, pour l'instant, il y a encore des petits problèmes de radiateur. Durant tout l'été, hein, je crevais de chaud, je vous faisais des lives avec 32 degrés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas ceux qui étaient là. Et là maintenant, je vous fais les vidéos. Ah, ça a monté 2 degrés. J'ai commencé avec 15 degrés après-midi, là, parce que voilà, on est jeudi. Hein. Enfin, moi, je suis jeudi, pour vous, c'est vendredi. Donc voilà, je suis arrivé dans ma chambre à 16h. Il fait 15 degrés. Super, hein, pour une chambre. Vite switché, voilà. Donc 15 degrés. Et je passe. Ok. Ah, ça a redescendu d'un. On était à 17, ben maintenant, c'est juste 16. Super. On se demande pourquoi qu'on devient malade. Voilà. Allez, un petit coup de Karcher. Je l'ai vidé, hein, normalement. On va regarder ça. Hop, oui, c'est bon, c'est vide.
Voilà. Nickel. Ok. Donc, le planning que je pensais garder, donc pour l'instant, hein, donc vous avez été d'accord avec moi sur ce point-là. Donc, le lundi, old stream, la old streams map. Le mercredi, on va faire du bois sur la Two River. Enfin, du bois, il y aura peut-être de temps en temps un peu de l'agriculture, on verra. Hein. Ce sera peut-être plutôt du bois sur la Two River. Voilà. Après, voilà, ça se peut que les lives, on fera peut-être de l'agriculture sur la Two River. S'il y aura une fois du multi, ça se peut qu'il y en aura dans pas longtemps, mais je ne vous promets rien. Je ne vous promets absolument rien. S'il y a quelqu'un qui me dit maintenant, déjà depuis 3 semaines, qu'il aura son PC. Que son PC fonctionnera, mais voilà, ce n'y est pas encore. Et il y en a encore 2 autres comme ça. Donc voilà, le multi, voilà, franchement, je ça prendra le temps qu'il faut. Pour l'instant, je m'en sors tout seul, j'ai envie de dire. Voilà, après, voilà, s'il y aura du multi, ça se peut qu'on fera de l'agriculture aussi sur Two River. En tout cas, plus peut-être sur Two River que. Enfin, Old Stream, je pense que c'est une map que je vais continuer en solo de toute façon parce qu'elle est petite. Vraiment, pour jouer en multi là-dessus, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment le faire. Et puis ici, ouais, Belgique profonde, ça irait encore. Ça dépend ce qu'il y a à faire, ça irait. Multi sans problème. Donc voilà, donc la Belgique profonde, ça sera donc, comme cette semaine hein, pour vendredi. De l'agriculture, bien sûr. Comme ça fera de l'agriculture, du forestier, de l'agriculture. Et puis de temps en temps le live le samedi. Pour mardi et jeudi, c'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous préféreriez? Ouh là là. Est-ce que vous préférez. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien, qui préfèrent le simulateur de bus au simulateur de car? Il y en a d'autres qui préfèrent le simulateur de car au simulateur de bus. Donc, attendez, comment est-ce qu'on pourrait organiser ça? Ce que je pourrais faire, c'est. Oups. Oups. Faire un épisode de chaque toutes les semaines. Donc, un épisode le mardi du car, on va dire. Et un épisode le jeudi du bus. Ou sinon, faire une semaine sur deux le car. Et puis, une semaine sur deux, enfin, intercaler chaque semaine, quoi. Et changer chaque semaine. 1, 2, 3, échanger chaque semaine, prendre le car une semaine et puis le bus la semaine d'après. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, est-ce que vous préférez comme jeu également, est-ce que vous préférez le car ou le bus? En tout cas, il faut dire que le car, pour l'instant, il y a encore des bugs, hein. Même pas mal. En tout cas, comme jeu, j'ai sûrement encore devoir redescendre un peu les graphismes et tout le bordel, ça me fait un peu chier. Mais bon, faut faire avec. Voilà, où est-ce qu'on est coincé là? Ah là 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 là. Voilà. Vous savez quoi, on va refaire. On va essayer de faire le tour. Et ça sera tout aussi bien. Voilà, donc je vous ai dit hein, les possibilités qu'il y avait pour les 2 jeux. Voilà, après, voilà, il y a encore d'autres jeux que j'aimerais bien faire. Je vous en parle. Allez, je vous en parle, ça sera bien. De toute façon, je pense que je les ai déjà tous cités au moins une fois, donc c'est plus vraiment de la surprise. Donc il y a du Spin Tears que j'aimerais bien vous sortir. De temps en temps, peut-être un petit épisode. D'ailleurs, voilà, un grand merci à Fifi qui s'est pris le temps pour m'expliquer comment tout allait. Après, j'ai eu des commentaires de certaines personnes, mais c'est simple, c'est simple, bah oui, c'est simple. Quand on ne sait absolument déjà. Moi, déjà, j'avais problème, je ne savais pas comment le mettre en français. Donc, toutes les explications, il y avait des trucs, ok, je savais lire en anglais. Il y avait d'autres trucs, franchement, je me suis dit, mais bordel, qu'est-ce que ça veut dire? Ah merde, il faut aller chercher l'ensileuse. Parce qu'on n'irait pas avec le camion sur le champ et on charge l'ensileuse. Allez, on va faire ça.
On va peut-être pas prendre les petites routes. Enfin, la petite route de champ, on va prendre. On va prendre la route normale. Enfin, donc. Ouh là, la merde. Prise un peu trop court. Comme d'hab, quoi. Donc, qu'est-ce que j'allais. Ah oui, voilà, donc du Spin Tears, qu'il y aura peut-être. Puis. Quelque chose que j'aimerais bien vous faire également, ce serait du GTA. Là, bien sûr, le meilleur truc, ce serait de le faire sur en multi. Si je trouve quelqu'un qui serait prêt, quelqu'un de sérieux à faire du multi avec moi sur GTA, je pense qu'il y en aura. Parce qu'en fait, le solo sur GTA, voilà, j'aime pas trop. Après, c'est une petite vidéo de présentation, on va dire, je ne sais pas moi, on va pas dire glitch, une petite astuce, voilà. Parce que je reste quand même dans le légal, je ne touche pas au glitch. Attendez, que je fasse pas de conneries. Alors, j'ai besoin de la map, là, je suis perdu. Tac, que je tourne là. Ah oui, ça fait un sacré. Ouais, je tourne ici, je tourne à gauche. Gauche, et puis encore une fois. Non, et puis tout droit. Ouais, bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. J'ai pas du tout regardé s'il y avait quelqu'un ou pas. On va dire qu'il y avait personne. Donc voilà, GTA, si je trouve quelqu'un pour faire du multi. Oui, sinon, voilà, il y aura peut-être de temps en temps un petit solo, une petite astuce, un truc dans ce genre, quoi. Donc, GTA, Spin Tears, je pense que ça, ce serait les deux prochains jeux que j'aimerais bien faire sur la chaîne. Voilà, maintenant. Spin Tears, il faut que je regarde. Parce que je vous avais dit une fois un jeu qui avait planté que j'avais pas pu tourner dessus. Bah, c'était Spin Tears en fait. J'ai dû aller dans les réglages. À mon avis, c'était trop demandé pour lui. Ce qu'il y avait. Je sais plus ce qu'il y avait en fait. J'étais en train de chickener avec le camion à droite et à gauche. Appuyer en même temps sur Escape, ça l'a fait planter, je crois. Voilà, ici on continue tout droit. T'es là toi. Tac, on continue tout droit. Enfin, on suit la route. On suit la route et c'est bon, ok. Allez, c'est parti. Donc voilà, là vous avez déjà les deux prochains jeux, je pense qu'ils seront disponibles sur la chaîne. Et puis bien sûr un jeu qui sera là fin octobre. Vous savez déjà de quoi je parle? Vous le savez tous. FS17, bien sûr, ça c'est plus une surprise. Ça c'est pas. C'est plus une surprise pour personne, ça. Voilà, on va se mettre ici. J'ai juste. On a vu de faire demi-tour sur le champ, hein, y a plus rien. Y a plus rien dessus. On va même carrément se mettre sur le champ, en fait. Voilà, il y a eu du beau temps. Le camion va pas s'enfoncer. Enfin, j'espère. Voilà. Ok, c'est bon. Je peux aller chercher en sileuse, Michel. Allez, on y va. Par contre. Y aller à pied. Ah, voilà. Voilà, petite New Holland. Replier la barre de coupe. Ok. Un beau klaxon. Voilà. Tu sais, c'est ce qui est bien avec cette ensileuse là, c'est que ça reste assez. La barre de coupe elle est assez petite et on voit bien à l'extérieur. Je sais plus avec quelle machine c'était, c'était avec une crone qu'on ne voyait absolument plus à l'extérieur. Et c'est surtout avec les moisse-battes aussi là que j'y pense. Oui. Est-ce que ça va aller ça? Normalement oui, si on monte comme ça. Ouais, on va dire que ça va. Pas du tout. Ah là 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 là. Je crois que ça, c'est vraiment une des machines de chez que Giants nous a fait vraiment avec le meilleur son. Hein. Voilà, hop.
Mais comment que ça se fait qu'elle... Attendez, je vais faire un... Merde. Oh là 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 là, je voulais vite... Je vais faire un truc ici. Oh merde, on l'a planté dessus maintenant. Super. On va la ramener comme ça. Hein. Je rigole. Donc, Alt 1. 1, 1, 1, 1, 1. Add remove extended RAM. Ça devrait être 5 et pas de 7. Ah non, ah oui, c'est pour la rampe, ça, ok. Hold RAM, je crois que c'est ça. 8. Ah non, ça c'est pour mettre le bois là, ok. C'est où alors? Peut-être ça, 9? Non, ça c'est ces pièces là. On va essayer tout. Hein. Non. Bah merde, c'est où déjà? Bah merde alors. Voilà, pourquoi faire compliqué si ça va... Si c'est tout simple en fait. Moi je pensais que c'était marqué beaucoup plus bas, mais non, pas du tout. Voilà. Et bien sûr, maintenant, c'est toi qui vas nous faire... Je vais pas être vulgaire. C'est toi qui vas nous casser les bonbons. Voilà, allez, on va réessayer ça correctement. Tu ne bouges pas avec les poids, avec le camion, Marcel. Hein? Garde ça droit. Hein? Ok, nickel. Enfin, ça fait un petit saut, c'était pas très beau. Mais c'est mieux que rien, doucement. Sois pas aussi excité, hein, bordel. Voilà, hop, avec W on remonte. Et je crois que c'est avec X en attache. Ah non, c'est avec le bouton 4. Alors là, normalement, ça devrait être attaché, ça n'aurait plus bougé. Ouais, ok, nickel. Impeccable. C'est bien attaché. Super. Allez, c'est reparti. Quand on sent bien que le camion a plus de mal. Hein. Ok. Les gyros, ils sont là. Nickel. Allez, on retourne sur la route. Bon, peut-être juste laisser passer cette voiture. Ouais, celle-là, les prochaines voitures, en fait, je vais les laisser passer. Par là, il n'y a personne, c'est nickel. Allez, papy, passe. Fais vite. Voilà. Oups, doucement. Impeccable. Nickel. Donc là, on retourne à l'ETA, on va ramener ça. On va revenir avec notre BM. Ah, hier, un peu sur Internet, j'ai découvert un nouveau truc sur Farming 17. Farming Simulator 17, j'espère en tout cas que c'est vrai. Mais à ce qui paraît, on va pouvoir diriger la caméra en tournant la tête. Ça, à mon avis, ça doit être super, ça. Donc ça fonctionnera normalement avec la webcam, hein. Vous regardez tout droit devant vous, bah l'écran reste droit, vous tournez un peu vers la droite. Et à ce qui paraît, c'est exact aussi avec la reconnaissance des yeux. Bah vous tournez un peu vers la droite et la caméra elle va tourner vers la droite. Vous tournez vers la votre tête vers la gauche. La caméra elle va tourner vers la gauche. Non, j'espère que c'était pas une connerie. Normalement non, normalement c'était une info officielle. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire jusqu'à la sortie? Enfin, il y a encore une vingtaine de jours, normalement, oui. Voilà. Ok. Impeccable. Ici, c'est encore
tout droit, hein, ouais. Tout droit, et puis là-bas, on prendra donc à gauche. Et on y sera presque. Toujours là pour casser les. Voilà. Et puis là, bien sûr, il va se coller juste devant moi. Allez, vas-y. Allez, c'est reparti. Ah, ça, j'aime bien ces petits sons comme l'église. Ok. Par contre, ça s'arrête toujours d'un coup. Ça, c'est un peu désagréable, en fait. Excusez-moi, monsieur, je vais devoir freiner un peu. Mais j'ai pas envie de niquer mon matos. Surtout que c'est pas le mien. Voilà. Donc, comme j'ai dit, un live samedi, vous en saurez plus samedi. J'essaierai, si possible, de vous faire une petite annonce, faire une petite annonce vidéo à l'avance, quoi. Voilà. Et puis, bien sûr, si un live, je vous le mettrai sur Facebook, comme je vous ai dit hier, il faut que je sois plus actif. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Publier les vidéos sur Facebook également. Il faut de nouveau que je le fasse parce que voilà quoi. C'est quand même bien pour vous informer également parce qu'il y a, ce qui paraît, il y a de temps en temps des petites couilles avec YouTube niveau publication de notification de vidéos. Si vous vous abonnez à ma chaîne, c'est pour voir mes vidéos. C'est pour ne pas rater mes prochaines vidéos normalement. En tout cas, c'est ce que je vous demande. De vous abonner si cela vous intéresse. Et pas juste pour me faire plaisir. Bien sûr, ça me fait plaisir. Voilà. W et 4 pour détacher. Voilà. Ok, c'est bon. Sortir, voilà. On va prendre en vitesse lancilleuse. Voilà, au moins, vous serez informé également sur Facebook que si il y a une nouvelle vidéo, si tout se passe bien en tout cas. Non, n'hésitez pas à me dire si avec ma chaîne les notifications fonctionnent, si vous avez toujours les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. Normalement, ça devrait aller. En tout cas, moi, les gens avec lesquels je suis voilà, habituellement la journée, eux, ils reçoivent les notifications. Et voilà. Oui, encore quelque chose que je voulais dire. Donc les heures de publication, normalement, elles sortent. Les vidéos sortaient à 16h. Mais vous avez peut-être remarqué que pour l'instant, elles sortent donc un peu plus tôt. Je les publie en fait maintenant tous les jours à midi, à 12h30. Midi et demi, midi 30, vous dites comme vous voulez. Voilà. Sans raison, hein. Simplement comme ça, je suis sûr, je vois dès midi en fait qu'elle est publiée. Et je dois pas attendre 4 heures pour être sûr que ça soit fait. Voilà, nickel. Donc date de heure de publication, normalement c'est midi et demi. À part, voilà, s'il y a un petit empêchement. Si la vidéo est faite, imaginons, voilà, c'est pendant les vacances que je fais les vidéos le matin, ça se peut qu'elle sortira un peu plus tard. Ça, bien sûr, c'est possible. Voilà, impeccable. Impeccable, j'ai envie de vous dire. Donc, toi, tu me rends ma voiture. Voilà, maintenant, on s'habitue au tracteur, on va rouler comme je ne sais pas quoi avec l'ABM. Allez, c'est reparti. On va retourner à la ferme. Excusez-moi, là c'est le téléphone qui vient de sonner. Et comme c'est pas pour moi, j'ai mis en silencieux, au calme. Au moins, on ne me dérangera pas.
Voilà, je sais même pas si vous l'avez entendu en fait. Tac 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 tac, voilà. Donc aussi niveau musique sur la vidéo, ça se peut qu'il y aura un changement. Maintenant pas changeant de musique, hein, mais niveau son tout court. Parce que voilà, donc j'enregistre mes vidéos sans musique. Et la musique, je vais essayer de la rajouter après. Donc s'il n'y a pas de musique et que ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire. Maintenant, ça se peut qu'il y aura régulièrement peut-être pas de musique si j'ai pas vraiment le temps à m'occuper à ça. Parce que là, en fait, il est 6h30. Tant que je termine, voilà, ben, on va bientôt avoir fini. Là, je vais encore faire le montage. Montage, pendant que l'upload se fait, je fais la miniature. Tac, vous voyez, donc ça prend comme pas ça va en une fois. Mais après tout le bordel, ça prend toujours un peu de temps, quoi, histoire qu'il fasse l'upload. Si j'ai encore ajouté de la musique, ça va durer encore plus longtemps. Enfin, voilà. Donc, vous avez toutes les nouvelles de la chaîne. Hein. Je pense que je vous ai un peu tout. Je vous ai parlé de tout, en fait. Hein, la chaîne, l'avenir de la chaîne, les prochains jeux. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce que je vous ai dit, si vous m'avez écouté, en commentaire. Si. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Excusez-moi. Voilà. Et tu quittes plus l'écran comme ça. Tu restes sur le jeu. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec certains points, si vous n'êtes pas d'accord hein, sur ce que j'ai dit durant la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous trouvez qu'il y a quelque chose à améliorer, n'hésitez pas à le dire. Vous avez des idées, bah, on est pratiquement libre d'expression. Du moment que c'est pas grossier, ouais, tout le bordel. Hein, moi, édite correctement, bien sûr. Je lis les commentaires et j'y réponds avec plaisir. Et puis en privé, bien sûr, si vous avez des trucs à me dire en privé. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée, peut-être un bon week-end si on se voit plus d'ici là, en live bien sûr, hein, je vous dirai quoi. Ou sinon bah, jusqu'à lundi pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, c'était Max Padler et à la prochaine.